Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Wolfegon et Ender. Et nous nous retrouvons après une série de délires, de bricolage, d'agriculture, etc. Deux épisodes sur la construction d'une ferme à blé automatisée. Enfin, une ferme à blé, d'un champ de blé hein, mécanique. Maintenant, on va se retrouver pour un champ de pastèques mécanique. C'est très simple, je vais avoir besoin d'une certaine quantité de matériaux. Certains dont je dispose déjà, et surtout d'autres que je vais devoir fabriquer. Et là, ça va être assez spécial, je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, je vais avoir besoin d'une quinzaine de dalles. Alors ça peut être de la stone brick, ça peut être de la stone list, ça peut être de la cobble. Alors on va, je pense, nous servir, enfin on va se servir de la cobble. On va également avoir besoin de quelques blocs de pierre lisse, un stack de cobble. Un demi-stack de barrières, quelques seaux d'eau, quelques escaliers en cobble également, des sticky pistons, de la redstone et une plaque de pression. La nuit tombe, on va se dépêcher de rentrer, parce que même si c'est beau tout ça, bah écoutez, je pense que malheureusement, on va pas pouvoir s'attarder, et je me trompe encore dans les boutons, ça c'est décidément, on ne se refait pas quoi. Allez, hop, par ici mon ami. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai été bloqué? Non, c'est bon, on peut se rentrer. Hop là! Voilà. Hop, hop. Et hop. Nickel. Est-ce que j'ai... Ah, il y a un cochon qui... Un cochon. Un cochon à plumes, bien sûr. Il y a une bestiole qui a trouvé la mort par ici. Alors, on va refermer immédiatement avant que ce soit nous qui ne trouvions la mort. N'est-ce pas? Hop. Et voilà. Bon, allez, hop. Un petit dodo. Ça s'impose. Et puis on va pouvoir s'attaquer donc à la réalisation de notre champ de pastèque automatique. Alors en parlant de champ automatique, pour moi, oh là là mince, oh il y a du monstre. Bah tenez, alors attendez, avant toute chose, je vais faire quelque chose qui m'a été demandé par beaucoup d'entre vous. C'est une épée en diamant. 1, 2, 3, 4, 5 et 3 lingots de fer, tout simplement. Alors du coup je ne pourrais pas me faire... Ouais bon tant pis, c'est pas bien grave. On essaiera de se faire un champ de pastèque qui reste quand même optimal et efficace. Mince. Allez hop. Extended Diamond Sword. Avec l'accent qui va bien. La voici, la voilà, vous la vouliez. Je l'ai rien que pour vous. On va y aller à dos de dragon. Ah oui mais alors attends, oui, tu n'as pas mangé mon pauvre. Il n'a pas mangé mon dragon. Et là il aura le droit à tout. Une portion alimentaire ma foi fort, fort sympathique pour un dragon qui a envie de remuer des ailes aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai hop là le poisson. Et voilà. Allez en avant parce que là on a, en plus on a du squelette à aller buter. Si vous me permettez l'expression. Hop le squelette il est là. Le dragon va se poser juste ici parce qu'il est bien gentil. Et moi, je vais aller faire sa fête à ce squelette. Mais même pas en rêve. Oh bah si, en fait. Voilà. Oh bah il m'a même pas donné d'eau. C'est moche. J'avais besoin de poudre de tibia, moi. Alors, on va regarder très très vite le résultat. Des petites améliorations que j'ai apportées à ma ferme. Vous voyez qu'il y a désormais un deuxième escalier, que j'ai déplacé également le levier sur le côté pour que ce soit plus facile d'accès. Et puis sinon, oui, le mur derrière hein, que j'ai surélevé, j'ai placé de la cobble et une double barrière, une double protection, afin d'être certain qu'aucune bête ne vienne empiéter sur mon terrain de culture, comme ceci là. Et dégage-toi. Hop, excuse-moi, voilà, hop, il a fait des petits en plus. Bon, le petit ne va pas venir m'embêter, du moins je ne pense pas. Bon, ça devrait aller normalement. Bon alors, je vais te faire te poser pas loin, et on va voir si justement le champ de blé est efficace. Alors, juste une chose, comme je suis de retour, hop, vous n'avez plus besoin de voir ma trogne, je m'équipe avec mon casque. Et normalement, si tout se passe bien, attention... bah voilà, c'est ce dont j'avais peur. Ça ne fonctionne pas. Ah si, ça fonctionne. Ah, oh, bah c'est cool, regardez-moi ça. Ça fonctionne nickel. Le problème, c'est que tout reste coincé. Ah, ça reste coincé. Ah bah non, bah voilà. Voilà, ça tombe. Eh, dégage, toi. Me pique pas tout mon blé.
Oh, 24 de blé. Ça, c'est intéressant. Mais il n'y a pas de graines? Les graines, elles sont restées. Mais eh, non, mais... Oh là là, ça y est, je suis en train... Je me fais harceler par les animaux sauvages, au secours. Ah là là. Ah, bah, c'est pas optimum. J'ai dû louper un épisode, parce que malheureusement... Alors, le blé est au rendez-vous, ça, c'est bien. Mais alors, par contre, c'est une... C'est d'une tristesse absolument affligeante, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Ah, l'eau s'est dit... Ah là là, oui, mince. Ah, bah, alors, je crois savoir d'où vient le problème. L'eau a dû se diriger vers les côtés, vers les sources d'eau, et du coup... Je n'ai pas eu tout. Aïe. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Je réparerai ça. Par contre, c'est assez urgent. Je vais devoir replanter. Parce que c'est la moindre des choses quand même. Il faut replanter après avoir bah, tout simplement récolté. Hop. Ça devrait pas prendre trop de temps. Surtout qu'en plus j'ai plus beaucoup de graines en fait, malheureusement. Ah bah si, j'en ai. Oh bah si, je me disais bien. Bah oui, quand même, 47 graines seulement, alors que j'ai planté tout ça de pain, c'était quand même assez abusé. Bon bah apparemment, donc tout fonctionne bien avec le système de redstone, c'est juste le... Les rebords là, je sais pas, ça fonctionne pas bien. Peut-être que c'est pas des barrières qu'il faudrait que je mette. Peut-être qu'il faudrait que je me contente de bords en cobble. Je ne sais pas, on verra bien, mais pour l'instant, ce n'est pas notre priorité. Mais 47 de blé, ça fait quand même plaisir. Voilà, hop, moi je vais me laisser tomber. Et voilà. Non, toi, j'ai pas envie de t'adopter. On retourne à la maison très très vite. Voilà, parce que mine de rien, ça fait quand même 7 minutes que nous sommes ensemble. Et que je n'ai pas avancé sur mes objectifs. Bon, j'ai plus rien. C'est assez triste. Je vais prendre un... Ouais, je vais prendre ça. Et je vais l'agrandir, comme ça j'aurai beaucoup plus de place. Les seeds, elles sont là. Je vais avoir besoin de mes graines de melon, je vais les placer comme ça. Et puis je vais me faire du blé, parce que. Enfin du blé, du pain. Ça va être assez intéressant. Parce que je vais vraiment en avoir besoin. 11. Et puis je vais garder. Je vais garder ça. Hop, en surplus. Pour nourrir mon futur bétail. Et voilà, 12 de pain, j'en range ici, j'ai ça, et puis je vais prendre un peu de viande parce que nous partons en expédition, les amis. Nous allons partir avec Ender vers un endroit où nous allons pouvoir trouver des méduses, parce que malheureusement, j'ai exploré un petit peu le lac tout autour de nous, et malheureusement, grosse tristesse, on n'a pas de méduses. Alors ça, c'est quand même ballot, parce qu'on va en avoir besoin, il va falloir les tuer et extraire toutes les boules de slime que l'on pourra... Pour la création des sticky pistons qui seront nécessaires à la création d'un champ de pastèques automatisé. Alors, le problème c'est que je ne sais pas par où partir. Et ça c'est un peu triste. Surtout que bah, Ender voilà m'emmène, mais qu'est-ce qui se passe mon grand? Non? D'accord, j'ai eu peur parce que je commençais à me dire mais qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas fin. Mais pourquoi tu m'emmènes par là? D'accord, ok. Pourquoi pas, le dragon qui n'en fait que qui ne fait que ce qu'il veut. C'est pas bien grave. Eh ben c'est drôlement mignon par ici. Oh là, ah bah ça y est. Nous débarquons dans un biome marécage. Ah bah voilà, ça m'avait manqué. Ça tient les marais. Les marais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est un arbre qui n'a pas voulu pousser. Bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Tu te. D'accord, il se pose ici. Pourquoi pas? Et moi je fais comment pour remonter après? Je me débrouille, et ben c'est bien gentil. Ben alors tu vas te poser convenablement s'il te plaît. Là. Hop. Oreille, j'allais dire. Là. Bon. Pas les oreilles, mais les ailes dépliées. Bien, bien, bien. Ok. Je devrais pouvoir accéder facilement. Ouais, bah ben c'est bon. Je peux accéder à mon dragon par ici. Alors, faut pas que je traîne. Alors, épée à la main. Et il va falloir que j'essaye de trouver des bestioles, des méduses. Je sais pas où est-ce que je pourrais en trouver. Il faudrait que j'arrive à me faire un petit coin en fait. J'essaie de me faire un bateau. Donc pour ce faire, je vais me saisir. Ah bah j'en avais déjà du bois. Petite table de craft locale. On va la poser bien gentiment par là. Le problème c'est que les eaux sont infestées de requins, donc ça craint pour me faire un bateau et naviguer tranquillement par ici. Parce qu'en plus si nous sommes dans un marécage, j'imagine qu'il y a des crocodiles. Et les crocodiles ça craint.
Ça craint, ça craint. Bon, je vais quand même faire le bateau. Et puis on verra. De toute façon, je suis protégé. Alors. Allez, allons-y. D'accord. Ça ne va pas. Voilà. Là, c'est quand même mieux. Bon, alors, bateau. Oh là là, mon Dieu, ça fait longtemps que je n'avais pas navigué dans un... Voilà, je n'avais pas pris un bateau. Je ne sais déjà même plus comment on s'en sert. Grande tristesse. Ah, non. Ça y est, je suis bloqué. À la recherche des slime balls perdus. Ah bah d'accord, ça y est. Oh mince. Ah, c'est quoi qui m'a dévoré? Un piranha! D'accord, rien que ça, je me suis fait détruire un bateau par un petit poisson minuscule. Bon, bah en tout cas, c'est drôlement beau par ici. Faut pas que je perde mon dragon qui se trouve là-bas. Je vais me servir de cette grande montagne comme d'un point de repère. Faudrait que je me dépêche quand même parce que on n'a pas toute la journée. Ça, ce n'est pas une méduse. Du moins à ce que je crois, hein, ce n'est pas une méduse. Il faut que je fasse également attention aux crocodiles. Alors, pour l'instant, j'en ai pas encore vu. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est de ne pas avoir vu de... Bah, ce que je cherche, quoi, en fait, tout simplement. Hop. Allez, sautons. Hop. Allez. Alors là, ça risque de pas être folichon si je trouve pas ce que je cherche. Surtout que la nuit va bientôt tomber. Déjà. D'entrée de jeu. Alors là, il y a du combat requin contre dauphin. C'est pas que ça me passionne pas, mais ça m'a... Oh là, mince. Ouh là là. Ouh. Il y a du serpent. Alors, je me méfie quand même parce que même si la plupart d'entre eux sont inoffensifs, certains d'entre eux sont bien méchants. Comme il faut. Non, c'est déjà la nuit. Oh, c'est pas vrai. Vite, il faut que je rentre. Enfin, il faut que je rentre. Disons que après, je peux me préparer pour une petite expédition, etc. Mais là, j'avais vraiment pas le temps. Là, j'ai rien fait, quoi. La sortie, elle a servi à rien. Allez. Mince. Comment je fais, moi, maintenant, pour... repasser par ici. Oh là là, bon, allez, tant pis, hein, j'assassine des arbres. Parce que de toute façon, il faut bien que je retrouve mon dragon. Alors, il est où? Il est quelque part par là, ça c'est sûr, mais il est là. Allez. Voilà! Excuse-moi, désolé, je t'ai sauté un peu violemment dessus, mais là, pour l'instant, je repars bredouille. Oh, elles sont là! Oh non, mais non! C'est pas... Non, mais ça, c'est abusé, ça, par contre. Je suis sûr qu'il va y avoir des âmes dangereuses quelque part. Bon, je sais qu'il y en a juste ici. Allez, tant pis. Et là, en fait, le problème, c'est les âmes dangereuses. Bon, en même temps, j'ai une armure. Ouais, mais je suis quoi? Tant pis, j'ai envie de rentrer chez moi, je rentre chez moi. C'est pas grave. De toute façon, la nuit va passer très très vite. Donc, c'est pas bien grave si nous rentrons chez nous. Ah, vite. De retour, de retour. Hop. Mince, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Allez, au dodo. Allez, c'est parti, de retour. La nourriture. 1, 2 et 3. La nourriture pour Ender, la voici. Un menu complet, riche en protéines, j'ai bien l'impression. Hop. Et nous allons pouvoir repartir en expédition. À mon avis, quelques âmes dangereuses ont dû résister. Nous voici. Allez hop, allons-y mon grand. Hop, c'est parti. Bon, on les a trouvés. Ah bah, regardez-moi ça, les âmes dangereuses, Enderman. Alors, là, il y a un Enderman. Oui, en fait, les monstres, je pense que je préfère largement les affronter deux jours. Mince, mais non. Tu ne t'en vas pas. Je ne t'ai pas autorisé à t'en aller. Où est-ce qu'il est, lui? D'accord, il s'en va. Il a décidé de s'en aller, alors voilà, et bah, il s'en va. Bon, bah écoute, tant pis. Ah, il y a des os, ça c'est très intéressant pour moi. Allez, viens par ici, peut-être bête. Allez, viens par là. Viens par là.
Bon, je suis désolé, hein, ça a été un petit peu, voilà, j'ai été un peu couard, surtout que j'ai une épée. Ah là, je suis impardonnable. J'aurais dû aller me battre. Mais bon, vu qu'on n'y voit rien la nuit, je reste encore. Allez, je fais quand même preuve de prudence. Elle est partie, notre âme dangereuse? Elle est partie. Bon, c'est pas grave. Ce sera un peu long. Hop là. Il y a des poules. Allez, on gagne du temps. On était parti de l'autre côté. On en avait trouvé de l'autre côté, en fait, des bestioles. Hop, je te pose ici. Et moi, je pars à la recherche. C'était quoi, ça? C'était l'océan, d'accord. J'ai cru que c'était un dragon bleu. Alors, des méduses, il me faut des méduses. Elles sont là, les méduses. Elles ont pas bougé depuis hier, les méduses, elles sont gentilles, les méduses. Alors par contre, faut que j'évite de me faire toucher. Et boum! Oh, deux slime balls. Ça, c'est une bonne nouvelle. Good news. Hop. Ah, mauvaise nouvelle, elle m'en a pas donné. Deux slime balls également de ce côté-là. Vite, il faut que je remonte. Vite, 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 vite. Hop là. Je joue avec l'eau. Ouais, je joue avec le feu, je joue avec l'eau. Bon, très mauvaise vanne. Et en plus, je n'ai que 4 slime balls. Donc, c'est moche. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Faut que j'arrive à en trouver d'autres. On y retourne à dos de dragon. Et là, je pense qu'on sera beaucoup plus peinard. Allez. Allez! Voilà, bon, mon personnage n'est pas assez rapide, malheureusement. Alors, allons-y. Bon, heureusement que j'y vais à dos de dragon, parce que franchement, si je m'étais donné la peine d'y aller à pied, ça aurait duré 150 épisodes, ça aurait été vraiment la galère. Faudrait que j'arrive vraiment à trouver ce que je cherche immédiatement avant de me poser. Là où j'arrive à trouver des méduses, au moins je serai tranquille, parce que là, pour l'instant, c'est un peu la galère. Allez les petites méduses là, faites pas vos timides, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos balls. C'est fou ça, il y en a même pas, il y en a nulle part. Il y en a même pas, enfin j'en avais trouvé, j'avais trouvé un petit nid de méduses. Allez. C'est fou ça. Non bah non. Elle joue aux abonnés absentes, j'ai bien l'impression. C'est dommage. Je dirais même plus, c'est regrettable. Parce que du coup... Oh, bah regardez, un croco. Hop, allez, je vous propose de le faire un peu mumuse avec les crocodiles. Oui, je sais, je suis un fou dangereux. Mon Dieu. Ils sont où, les crocodiles? Allez, venez, on va faire mumuse. Allez. Toi, t'es mort. Et toi, tu m'as donné... une pièce d'armure, j'allais dire. Ce serait tellement simple. Tu m'as donné des écailles. Ah, oh, là, il y en a un. Ah, lui, il a pas l'air de me vouloir du mal. Ici, c'est moi le prédateur. Ok. Hop. Mince. Oh, je peux plus accélérer, il me faut un steak. Voilà. Hop. Mais non, oh. Saute avant, banane. Boum! Voilà! Bon bah Ender, la pêche aux invertébrés pour l'instant est infructueuse, hein, j'ai l'impression, c'est assez moche quand on y pense. Comment vous dire? Je suis un peu décontenancé, je n'ai pas du tout de méduses, enfin j'en ai plus beaucoup. J'en ai trouvé que quelques-unes. Et seulement deux d'entre elles m'ont droppé des slime. Oh excuse-moi mon dragon! Oh en plus un coup d'épée en diamant. Excuse-moi. Ah ouais mais bon quand même, là je suis complètement désolé, excuse-moi, je suis dégoûté de t'avoir foutu un gros coup de lame comme ça, surtout qu'elle est, elle est censée faire bien mal en plus celle-là. Ah, je me demande avec quoi on a dû tirer dessus, parce qu'honnêtement là c'était assez violent. Excuse-moi mon grand, t'auras double ration de nourriture pour la peine ce soir. Alors, on est à combien? 19 minutes 41 et pour l'instant le contenu de l'épisode n'est pas folichon, si ce n'est qu'on a découvert un paysage, ma foi, fort agréable.
J'aimerais bien trouver quand même des créatures beaucoup plus agréables, à savoir les méduses. Ça s'appelle le jeu du cherche-méduse. Allez, cherche-méduse, cherche. Ah bah voilà! Allez. Bon, on en a une toute petite. Alors. Voilà. Une toute petite, mais qui travaille bien. Voilà. Ça, je pense que là, on a les deux bronzes. C'est parfait. Donc ça m'en fait combien au total? Ça m'en fait 6. Bah écoutez, je pense que 6, ouais, bon. Sur les 14 dont j'avais vraiment besoin, 6, c'est quand même assez maigre. Bon, allez, je fais encore un tout petit tour du propriétaire. Et si on n'en trouve pas, tant pis, on fera avec. Ça nous fera un mini champ de... Oh là là. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, mais non, mais quand même. Préviens-moi, là, tu m'as tout trempé maintenant. Crocodile, crocodile. Voilà, au moins, voilà, ça vous montre de nouvelles créatures. Hop, et deux parties. Voilà, ça fait plaisir. Youpla. Voilà. Bon, bah écoutez, pour le moment, je pense qu'il va falloir se satisfaire du nécessaire. Ouais, c'est ça, du strict nécessaire. Je pourrais pas faire autant de sticky pistons que je veux, mais tant pis, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Allez, c'est parti, retour au bercail. On y va toujours, à dos de dragon. Parce que j'aime bien dire cette... J'aime bien prononcer cette expression à dos de dragon. Oh! Oh! Alors attendez, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Allez, hop, à l'eau. C'est parti, je me baigne. Là, là, ça y est. Alors ça aurait été un peu long, mais au moins, j'ai réussi à trouver. Puis je dis ça, mais si ça se trouve, je vais faire des coupures au montage. Hein. Je ne sais jamais ce que je vais faire au montage. Est-ce que je vais couper? Est-ce que je vais laisser les séquences, etc. J'en sais trop rien, en fait. Donc du coup, finalement... Je vais peut-être avoir suffisamment de slime balls. Ah non, bon bah celle-là, elle a décidé de ne pas être très généreuse. Bon, écoutez, tant pis. C'est pas grave. Ce sera largement suffisant pour ce que je prévois de faire. Donc 8 slime balls. Oh, ce sera déjà ça. Allez, retour à la maison. C'est là qu'en fait, je décide de rentrer chez moi et j'en vois partout. Il va y avoir des méduses absolument partout. Ça va être dantesque. Bon, allez, fausse alerte. Allons-y. Donc maintenant que mon inventaire, bah, il était à moitié prêt, il ne me manquait que les slime balls. On va pouvoir préparer tout ça bien tranquillement. Qu'est-ce que tu fais? Tu te reposes un peu en haut, mon grand? Ouais. On se repose. Allez, il va se reposer. Hop. Il va se sécher les ailes qu'il vient de se tremper parce qu'il a pris une douche. Hein, mon grand? Il m'a fait une bonne blague, lui. Une bonne blague. Oula. Bon, et puis moi, je me casse une jambe. Alors, les sticky pistons. Bon, je referme par mesure de sécurité, on ne sait jamais. Les sticky pistons. Donc, je vais avoir besoin de pistons, tout simplement. Et pour faire des pistons, j'ai besoin de bois, de cobble, de fer, de redstone. Ok. Donc, le bois, je l'ai. Le fer, c'est bon. La redstone, c'est bon. Ça devrait aller normalement. Donc j'avais besoin de 14, donc en fait je vais en faire que 8 des pistons, puisque je n'ai que 8 slime balls. Donc 1, 2, ah oui, ben, non, je vais avoir besoin de plus que ça, donc plein de planches s'il vous plaît. Voilà, comme ça au moins je serai tranquille. Je vais aussi avoir besoin donc de cobble. Voilà. La redstone, le fer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Oh là là, mes réserves de fer sont en train de diminuer sérieusement, c'est pas top. Mais bon, c'est pas bien grave. Ok. Piston ensuite. Piston avec des slime balls, ça me fait 8 sticky pistons, c'est nickel. Et ben voilà, préparation de l'inventaire, c'est terminé. En plus, on est à 24 minutes 15 et c'est la nuit. On va juste se rentrer. Hop. Et puis voilà. Et puis voilà. Allez. C'est parti. On va passer une bonne nuit. Et bah écoutez, je pense que je vais vous proposer une petite séance goodies, je pense.
Ou peut-être que je vais dédier le prochain épisode à cela, mais je pense qu'il est temps qu'on aille se faire une nuit de mobs sur la plaine qui se trouve juste en face. Donc pour l'instant, je referme parce que j'ai quelques petites choses à préparer. Et nous, eh ben, on va se retrouver dans le prochain épisode. Sur ce, les amis, merci d'avoir suivi cette aventure. Hop, voilà, que je puisse montrer ma bobine. Et à très bientôt, prenez soin de vous et à plus tard dans le prochain épisode. Salut!